Alain Lecauze. Alors, je travaille chez Orange, je suis directeur des grands projets sur l'Ouest, en charge des smart cities et de la digitalisation. C'est quoi votre astuce à vous pour développer la croissance ? Alors, développer la croissance, pour moi, aujourd'hui, ça doit passer par l'utilisation des outils que nous avons à notre disposition. Donc, la digitalisation, alors c'est un grand mot qui peut faire peur, mais en fait, c'est pouvoir aller à la rencontre de ses clients au travers de médias sociaux et identifier, je dirais, les réseaux d'influence de ses clients. Alors bien sûr, il faut être sur ces réseaux. Il faut aussi se transformer dans sa façon d'échanger avec eux, parce que le mail devient complètement obsolète. Le SMS également. Par contre, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez faire un tweet, un retweet, vous allez faire un message privé, vous allez avoir des échanges. Donc, on voit que la relation avec ses clients et son écosystème est en train d'évoluer. Donc la croissance, pour moi, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, si on ne se digitalise pas avec tous les outils qui sont en train d'exploser, parce que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, bah, c'est le secret. Allez-y, mettez-vous à la digitalisation. Et demain, tous digitalisés. Tous digitalisés, il faut en manger, c'est pas mauvais pour l'estomac, au contraire, et derrière, il y a sûrement de la croissance à venir. Que deviennent les contacts humains dans tout ça ? Ils viennent après. Ce n'est qu'un moyen d'aborder la personne. Parce que le contact humain, il ne faut pas le négliger. Ça, au contraire, on a besoin de contact humain. Mais c'est une façon d'approcher différemment ses clients. Et au contraire, l'humain reprend toute sa place. Parce que ce n'est qu'un moyen plus rapide. Parce qu'on est dans une société où on va beaucoup plus vite. Vitesse de la lumière demain. Et c'est vrai que la digitalisation, pour moi, n'est qu'un moyen d'accéder à l'humain. Parce que l'humain doit rester au centre. Ce ne sont pas des machines qui vont remplacer l'humain pour la croissance.